Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille et tout vos proches se portent bien. Si toute votre famille et tout vos proches se portent bien comme d'habitude, eh bien tant mieux. J'espère en tout cas que tout continuera à bien se porter pour eux et pour vous aussi les frères et sœurs. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va vous ouvrir la petite box, hein, qui fait super plaisir. Donc cette vidéo bien sûr vous la verrez normalement quand on sera en période de Paris Games Week. Mais là on est en train de vous la tourner. On est le 26 mercredi. Il est 10h du matin. Et aujourd'hui le 26 le mercredi, j'ai pas mal de vidéos à tourner. C'est à dire que j'ai 3 vidéos à sortir, une vidéo de clown à aller tourner dehors dans la rue, et 10 vidéos à tourner. Enfin je vais essayer d'en tourner 6 ou 7 déjà. J'en ai déjà tourné 2. Donc voilà. Ouais on en a du travail. Bref, on a beaucoup de travail les gars pour vous, parce qu'il faut tout préparer pour la Paris Games Week. N'hésite pas à te regarder toi. Arrête de regarder derrière ta mère. Connard, va. On va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Je viens juste de l'ouvrir un tout petit peu, mais ça va, je vois pas moi. Tu regardes le retour, hein? Mais je vois pas, je regarde le retour, c'est normal, au moins je vois rien pour l'instant. Donc, on va faire cette petite ouverture de Woodbox. Comme d'habitude, les frères et sœurs, si vous aimez, explosez la barre des likes, je compte sur vous. Et n'hésitez pas à aller voir mon partenaire Woodbox qui sera en description. Et vous pourrez bénéficier avec le code GMT d'un petit 5 euros de moins. Voilà. Hein, 5 euros sur 20 euros. C'est pas mal, 5 euros de moins sur 20 euros. Voilà, avec le code GMT, n'hésite pas, le code est en description, frérot. Si d'habitude t'achètes des petites Woodbox à 20 euros, ah bah avec le code de Tonton, tu l'as seulement à 15 euros. Ça fait plaisir parce qu'il y a souvent pour 25 euros, 30 euros ou même des fois 35 euros d'affaires à l'intérieur. Bref, c'est parti, je commence. Je commence quand même. Ça va. Je suis le beau gosse ici, je commence. Alors attends, ça. Donc c'est le allez, livre, à moi. Non, c'est le livre de la Woodbox. Toi tu fais, t'as fait comme l'IA, ouais, à moi. Je l'ouvre si tu veux. Attends, bah attends. C'est une lettre. Oh, ça c'est fait au crayon. Oh, c'est trop stylé. Il y a encore dedans. C'est un petit dessin. Il y en a d'autres. Qui est fait au crayon en fait. C'est magnifique, oh c'est super beau. Vous avez vu ça un peu, c'est vraiment très joli. Mets-le à la lumière pour voir. Comme ça, tu crois qu'il y a un code ou quoi? Je sais pas, peut-être. Attends, le mec il a trop joué à GTA, il a trop fait le secret lui, moi je te le dis. Bon allez, mets-les mains dedans, c'est parti. Je regarde pas. J'ouvre mon pop. Alors, mon petit pop. Ah, il y a des petits. Ah, ben voilà. Alors, on peut avoir tout ça en fait. Et c'est au hasard. On peut avoir plusieurs figurines voilà. Et c'est au hasard. Alors, tu l'ouvres ? Figurines, non, je te m'en pas laissé ouvrir. Je sais comment ouvrir, je fais exprès. Pour que je regarde ta réaction. Ah, il y avait de la bave. Oh, vas-y, je vais. Ah, c'est une figurine assez similaire à celle que j'ai eu là-bas. Donc voilà le petit personnage. Voilà. Avec ici sa petite arme. Oh. Final Fantasy. Ça doit être. C'est pas Final Fantasy, qu'est-ce que tu racontes? Non, j'ai cru avec, désolé. C'est un petit CD de musique, de manga, je pense. Il y a CD 1, 19 musiques, CD 2, 16 musiques. Vous me dites les frères et sœurs si vous connaissez beaucoup ce CD, enfin hein, ce dessin animé ou ce jeu. Je ne connais pas personnellement, hein, je vais vous l'avouer. Hein. Je ne connais pas personnellement, mais voilà, il faut croire que là, c'était beaucoup CD et papier. C'est voilà, bizarre. En même temps, ils ont mis genre un livre en fait. Une personne genre un peu dessus. Sur et la c'est boîte, un livre. Un peu what the fuck, vous voyez. Hop. Alors. Du coup, c'est à Momo d'ouvrir. Oh, il a pris le t-shirt. T'es chiant le t-shirt, tu me le laisses même pas à chaque fois. Enfin, pousse-toi parce que tu vas encore pas y arriver. Parce que ça tout sent. Ça, tout ça parce que. En fait, il y a un endroit, t'attrapes ici, toi. Il y a un endroit, regarde, ici, tu vois. Oui, mais t'attrapes. Je savais. Hop. Mais moi, je voulais juste. Hop, voilà. Découvrir des façons ouais, de l'ouvrir. Hop. Dégage. Dégage, ah, je te dis. Je crois que c'était un manchoum. Oh, il est beau, hein. Sympa. Beau, hein. Oh,
Apportez, bien sûr. À la fin, vous le trouverez avec. Allez, c'est parti. On y va pour la suite. Je le passe. Ouh, ça, il est magnifique. Ça pour les fans de Zelda, ça c'est sympa. Voilà, là je suis content. Et là, Momo, waouh, regardez l'intérieur, comment c'est beau. Oh là là, il est magnifique. Ah non, c'est pas un livre. T'écris jamais toi, donc hein, tu le donnes. C'est un agenda. Non, c'est pas un agenda. C'est un truc pour écrire quoi. Voilà. Pour écrire, c'est un journal secret. Oh, un oui, journal c'est... secret Zelda. Lui, franchement, il est tellement beau. Franchement, il est magnifique. Il est tellement beau. Il va aller là-bas avec tout ce qui est figurines, jeux. Je pense qu'il n'y a plus rien. Cassé. Quelque chose ? Ouais. Woodbox, ok. Attendez, on va juste l'ouvrir. On dirait un farfetto. Je sais. Mais faut... Mais non, c'est moi le dernier. Non. Donne-moi mon pouce. Ouais, c'est chiant. On dirait un badge Pokémon. Tiens, on dirait un badge Pokémon. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu crois que moi, je sais pas le faire ? Allez, là, t'es nul, en plus, c'est même pas ouvert. Voilà, donc ça ressemble beaucoup à un badge Pokémon, on dirait. Ah, c'est stylé. On dirait un petit badge Pokémon. C'est très beau. Oui, Walou. Il y a pas beaucoup de choses dans cette... Ouais. Donc on va juste vite fait changer de t-shirt, on va voir un tout petit peu de nouveau t-shirt, c'est parti. Et donc voilà, j'ai mis le t-shirt là, franchement. Voilà. Il est stylé, moi j'aime bien. Sympa, bah ouais. Eh ça, c'est qui ça? Touche. C'est qui ça comme personnage? Franchement je sais pas. Franchement c'est un dessin animé, c'est ouais. Un style de manga que je regarde pas trop. Moi je suis plutôt Naruto, One Piece et Dragon Ball plutôt, tu vois. Je suis plutôt du côté One Punch Man et du côté manga. Du côté One Punch Man, du côté manga. Ouais, du côté Donc Dragon en fait, Ball t'es... Z et tout. Ah, voilà, d'accord. C'est pas vrai, je regarde pas Dragon Ball Z. Je regarde pas Naruto non plus si, et je regarde pas One Piece non plus. Si, non, je lis. T'as lu quoi? One Piece? Ouais. Dragon Ball Z? Attends, t'as lu mes deux livres de One Piece là? Ouais. T'as lu mes deux livres de Dragon Ball Z? Les deux, ouais. C'est tout ce que t'as lu? Ouais. Mais la série, je peux pas la continuer. Tu Et t'as lu un de mes livres Naruto normalement, pas plus. Si, tu m'avais acheté le premier Naruto, tu te rappelles? Le premier et le deuxième. Et il y en avait un que j'avais déjà depuis longtemps. Bref. Les frères et sœurs, alors cette Woodbox, elle est sympatoche. Hein, voilà, donc comme vous avez pu le voir, un nouveau t-shirt, un petit personnage assez mignon. Un petit livre Zelda qui est vraiment, mais vraiment, je le redis, vraiment très 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 beau. Que je trouve vraiment très sympa. Un petit truc de musique. Donc si vous me dites un tout petit peu si vous connaissez ou si c'est assez connu. C'est vraiment, je crois que c'est assez connu. Une sorte de badge Pokémon, on dirait limite. Et un très 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 beau, très très beau dessin quand même. Donc on voit que ça, c'était une hop, je vous approche ça. Une box assez artistique, un tout petit peu. Hein. Ils ont voulu un tout petit peu, là, nous partager un tout petit peu de l'art, tu vois. Là, je vois voilà. Et personnellement, c'est loin d'être ma woodbox préférée. C'est pas la pire que j'ai eue, parce que les trucs que j'aime beaucoup, hein, le livre, j'aime beaucoup. Le dessin, j'aime beaucoup. Le petit personnage, j'aime beaucoup. Le t-shirt, comme d'habitude, je les aime toujours, les t-shirts, j'ai toujours trouvé sympa. Voilà, tout ça, moi, je suis pas compliqué. Un t-shirt avec un bon petit dessin, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est pas très compliqué au niveau de ça. En tout cas, c'est loin d'être la meilleure woodbox que j'ai ouvert. J'ai déjà eu beaucoup mieux en termes de woodbox, mais c'était en tout cas... Vraiment assez sympa cette woodbox et ça fait quand même toujours plaisir de recevoir comme ça toujours des petits cadeaux quand même. On va pas se plaindre hein, de recevoir des petits cadeaux comme ça de mon partenaire woodbox en même temps. Ouais, ils m'ont offert deux boîtes ce mois-ci, comme tous les mois. Hein, tous les mois j'ai à peu près deux boîtes. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours deux t-shirts en plus. Voilà, tous les mois, deux t-shirts en plus, ça fait plaisir en même temps. Il va voilà, refaire, le rebeu est habillé comme ça. Bah ouais. Voilà, le rebeu est fringué, frère. Voilà. Bon bref, frère et soeur, si vous avez aimé cette petite woodbox en tout n'hésitez cas, hein, n'hésitez pas à liker cette petite boîte mystère. Qui a eu des bons petits mystères comme l'autre, j'ai ouvert, on croyait vraiment que c'était un livre, on allait lire. Ça ? Eh non, c'est tout blanc, ouais. Ah ouais, mais c'était... Donc voilà. Bref, les frères et sœurs, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. On vous dit en tout cas, prenez soin de vous et prenez soin de la Mifa et vraiment, abonnez-vous. Abonnez-vous. On est vraiment en route vers les 800 000. On compte vraiment sur vous. Abonnez-vous, les frères bientôt et sœurs. Je compte sur vous. Bientôt quoi ? Milli. Ah, le million, c'est ça ? Ouais. Ouais, mais rajoute le lion, comme ça les gens ils comprennent. Parce que bientôt le million.
Voilà mon pote. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao. I talk to you, take my hand.